Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 17, la carrière avec Grenade. Aujourd'hui dans cet épisode on va faire 3 matchs, on va tenter de faire 3 matchs. Un premier match contre Malaga, un deuxième contre Las Palmas et un troisième contre Fenerbahçe. Contre Fenerbahçe donc en Coupe de Ligue des Champions, on est assuré d'être premier quasiment, extrêmement très probablement. Donc voilà. On n'a pas de problème de ce côté-là. Alors, match contre Malaga. On va les faire jouer comme ça. On va utiliser cette compo-là parce que on a l'air de peut-être un peu plus nous réussir que la compo de base. On va faire jouer Chaplin. On va faire jouer Bangoura. On va faire jouer ceux qui ne jouent pas tout le temps. Marquez, tiens, il va jouer. Diomande. Diomande Perez. Fluki, alors PR, le chevelu contre Olivan. Et on va faire Correa, Saunier. Et Andrieu toujours là. Donc tous ceux qui sont fatigués, ils ne jouent pas. On va peut-être mettre. Qui c'est qu'on a? Ouais. Voilà, Dos Santos. Qu'est-ce que. Ouais, non. Allez, c'est lui. Oh, Navarro, il a plus, un peu plus de jus. Des fois qu'on soit obligé de faire rentrer, on ne sait jamais, puis on va y aller comme ça. Ça changera un peu d'équipe. Mort peut-être sur le banc à la place d'Adzili. Allez, puis on va tenter comme ça. On va tenter comme ça, essayer de relever un petit peu le niveau, qui n'était pas excellent sur la précédente vidéo. Le petit ballon! Boum! Ça, c'était un petit ballon. Ça, c'était un petit ballon. Charles, l'ancien joueur du Celta, je crois, non? Qui évolue apparemment à Malaga. Parce qu'il n'est pas chez moi. J'ai pas de Charles chez moi. Allez, il faut essayer de. On est troisième actuellement. Il faut essayer de remonter un petit peu. Parce qu'on a 2 points de retard sur les leaders. Notamment Séville et le Real. Donc il faut essayer de récupérer du. De récupérer un petit peu des points sur eux. Voilà. Oh, les beaux ce centre. Ah, dommage. Dommage, Pereira. Mauvais contrôle, mauvais enchaînement. Allez, t'étais bien parti, Marquez. Dommage que tu as arrêté ton effort. Ah, je t'ai pas demandé un ballon en profondeur. J'ai demandé une passe dans les pieds. Allez, faut pousser, les gars. Faut pousser. Il faut aller le chercher, ce ballon. Allez, Diomande. Bien joué, Pereira. Très très bonne interception. Allez, on essaie de faire partir sous le côté. Voilà, Chaplin sur le côté qui est parti. Le petit centre. Elle était contrée. Dommage. Il a été contré, c'est dommage parce que. Il y avait peut-être un bon type qui arrivait sur le côté. Enfin, sur le côté. Qui arrivait au point de pénalty. Bien joué, Prib. Très très bon travail, Prib. Ouah! La frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score de je ne sais pas qui, c'est Marquez peut-être qui s'est placé là. Non, c'est Chaplin. Ah, c'est Chaplin qui a retrouvé sa place. Moi, ouais, je pensais que j'avais fait la passe à Chaplin. Alors, j'ai dû faire la passe à Marquez là-haut. Et Marquez a fait la passe d'ess à Chaplin. Qui a eu quand même pas mal de temps d'ajuster. Ouais, là, c'est Marquez qui a le ballon. Qui passe à Chaplin, qui a eu le temps d'ajuster le gardien. Très très bon placement. De Connor, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. De Connor. Ça, c'était bien joué. Attention. Il est parti dans un récital. C'est bon. C'est bon, ça. J'ai cru que ça allait tomber un peu plus tôt.
Mais c'est pas arrêté de pleuvoir là dans le jeu? Je sais pas, hein, je suis peut-être fou. Hein. Peut-être qu'il a pas plu du tout, mais. En tout cas, le terrain est mouillé, mais. Je sais pas s'il pleuvait ou. Ça s'est mal donné. Je sais pas s'il pleuvait ou si c'est. Je sais pas où ça s'est arrêté, parce que j'ai pas l'impression qu'il pleut là. Pourtant, le terrain est mouillé. Allez, Andrieux. La bonne intervention d'Andrieux. Très très bonne relance. Waouh! Oui, quand même. J'aurais bien voulu le renverser vite, mais c'est pas grave. Allez. On va essayer de repartir vite. On contre-attaque. Ça, c'est bien joué. Hop là, on va jouer derrière. Non, c'est pas là que je la voulais. Allez, Pribe qui n'a pas eu le temps de centrer. Qui a dépassé la ligne. Allez, ça c'est pas trop mal combiné sur le côté. Ah dommage. Dommage. Dommage qu'il y soit pas allé Bangoura. Je crois que c'est Bangoura qui est sur ce côté-là. Je crois que j'ai mis Bangoura de ce côté-là. Dommage qu'il y soit pas allé. Ah non, c'était pas pour lui. C'était pour plutôt pour Chaplin. J'avais plutôt vu Chaplin passer par le couloir. Enfin le couloir. Pas vraiment un couloir, mais. Il m'a envoyé un petit peu derrière. Ah dommage, je voulais la glisser. Ah! Deux fois, c'était chaud. C'était chaud, peut-être une dernière occasion avant la mi-temps. Ah dommage. Allez, c'est la mi-temps. On mène 1-0. Je sais même pas si on est à la maison. Ouais, on est à la maison. Marquez toujours fatigué. Les années pèsent. Sur le milieu offensif. Mais toujours efficace. Ouais, très très bonne récupération. C'était quand même une bonne récupération de Bangoura. Là aussi, très très bonne récupération de Bangoura. Ouais, dommage. Ça fait piquer le ballon, ça sera un corner. Est-ce qu'il s'est blessé? Ah ouais, Bangoura, il s'est blessé. Sur cette action... C'est une sortie de but. Il s'est blessé grave. Non, ça va. Il y a juste un pansement. Un petit pansement. Allez, Chaplin, tu vas dans le mauvais sens, là. C'est pas par là, les cages adverses. On a changé de côté. Hein. Je le dis. La frappe, quel bel arrêt du gardien. Bon, en même temps, c'était sur lui. Et ça fera un corner. Là, ça sera directement sur le gardien, même pas. Peut-être que je pourrais relancer. Oula, totalement raté. C'est touche ou... Touche pour qui? Touche pour eux. C'est vraiment une sale frappe, alors. Attention aux joueurs de Malaga. Qui vont sûrement vouloir contrer. Ah, Pribe qui récupère le ballon en plus sur la touche. Je sais pas comment il a fait ça, mais. Ah, putain. Bangoura qui a récupéré de sa blessure, mais qui n'a pas pu mettre l'accélération. Allez, bien joué, Pereira. Pereira, il fait un bon match là. Il fait un bon match. Je vais pas trop le gueuler dessus. C'est plutôt un bon match, je trouve. Ouais, ça c'est plutôt bien joué. Ah putain, Chaplin qui a manqué de physique. Il a manqué de physique sur ce ballon, c'est dommage. Marquez, il est dans le dur, je crois, ouais. Il est dans le dur, entrée de. Pack pro, allez. Chaplin, il va sortir pour l'entrée d'Augustin.
Et je ne sais pas qui sortir des deux. Pangora, j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup de différence. Donc on va tenter de faire entrer. Si je fais ça, il me donne pas de. Bah si, il peut jouer de l'autre côté. Ouais, il peut jouer de l'autre côté. Allez, peut-être faire entrer Machis, on verra bien. Allez, attention, attention à ce ballon. Allez, manque un petit peu de puissance. Manque un petit peu la puissance dans cette passe. On va jouer un peu derrière. Pérez, la frappe de Pérez directement dans les bras de Kimani. C'est pas un gardien qui joue en France hein. Du tout. Merde. J'ai totalement raté le ballon. Allez, ça joue plutôt bien. On passe du côté de Malaga, mais pour l'instant, ils en font rien. Allez, Prip, tu m'avais fait une bonne. Ça m'avait pris un bon ballon. Allez, la petite frappe, sans danger. Voilà, j'ai pris les risques. J'ai passé appuyé sur ma passe. Allez, peut-être, pour Chaplin. Chaplin qui en peut plus, il en peut plus, Chaplin. C'est pas vraiment comme ça que je le voulais. Mais c'est pas grave, le centre. On va rejouer un petit peu derrière. Allez, bien joué. Peut-être pour Marquez. Non. Mais on récupérera un petit corner. Et on fera enfin les changements, bordel. Belle sortie du gardien. Ça, c'était relativement risqué. Bon, bah, c'est terminé. Victoire sur un petit but. Heureusement qu'on gagne quand même, parce que... Voilà, on a quand même dominé. On a quand même dominé ce match. Ça aurait été dommage de faire un match nul. Mais on récupère les 3 points, donc tout va bien. Tout va bien, on se relance. On a joué une journée de plus. Et on a quand même du retard. Allez, on fait travailler toujours les mêmes ou est-ce qu'on change un petit peu? On va changer un petit peu peut-être. On va bosser un peu sur Chaplin. Création d'occasion, comme ça il travaille. Travaille le placement offensif en plus. Et Nano, est-ce que j'ai pas d'autres joueurs à faire travailler un petit peu? Bon, après, j'ai mes petits jeunes, mais bon. Ah, il a un gros potentiel, Perrin. Si on peut travailler sur Perrin un peu. Peut-être au niveau des passes, j'aimerais bien le. Passe longue, il est pas très très bon. C'est pas un truc qu'on peut travailler différents types de passes. Sur les centres, ouais, tiens, sur les centres. Ce serait pas mal sur les centres. On va le faire bosser un peu sur les centres. Même si, comme vous le savez, je le dis assez souvent, les centres sur FIFA, c'est pas terrible. Touche à sa fin. Y a pas de problème. Rapport mensuel. Ah, j'avais lancé un nouveau truc, oui, c'est vrai. Alors, je sais pas pourquoi elle a une tête comme ça. Peut-être lui, mais bon, on va attendre. On va attendre. Alors, en Argentine. Ah, 84. 84, 94. Ça, c'est déjà bien. Ça, je prends. 80, 94.
Entre 51 et 69 de gêne, ça je prends aussi, on sait jamais. Et après non. Tu ne sais plus quoi faire. Attends, il faut que je regarde son recruteur. Alors, j'en ai un aux États-Unis, j'en ai en Angleterre, en Italie, en France, ben, gestion de recruteur, envoyé ailleurs. Tu vas retourner ici. Quoique, ouais. Et ce que je vais faire, c'est que. Attends, j'en avais un dans les instructions. Voilà, ça. Ça. Il est en fin de contrat, Balotelli ? Ouais. Voilà, tous ceux de l'instruction précédente, tu me les vires. Pareil, il a eu moins. Un petit Thomasson, ça serait pas mal aussi, tiens. Et ça, ils sont tous... ouais. Très très bien. On va tout observer. Hein. On a quand même des sous. Mais... là, c'est vrai que j'ai déjà son rapport. Combien il a d'ailleurs, Romalotti ? 80. Giovanicio. Allez, on va faire observer tout ça. Et si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Allez, Colker. Colker, il est pas mal aussi, Colker. Dans quel jeu je l'avais eu, Colker? Je me souviens plus. Je sais plus dans quel jeu je l'avais eu, Colker, comme joueur. PES peut-être, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Je l'ai eu dans un jeu, Colker, et je l'avais trouvé plutôt pas mal, je crois. Sélectionneur de l'Écosse. Ah ben voilà, un pays intéressant. L'Écosse, mais c'est bien l'Écosse. Allez, je prends l'Écosse. Allez, j'aime bien, voilà, c'est ce genre de nation que je voulais. Merci, ça fait plaisir. Amical international. Me dis pas que j'ai rien à jouer. Avec quoi? Direct. Direct, une violente comme ça avec de l'amical international. Ah oui, d'accord. Contre la Côte d'Ivoire. C'est quoi l'équipe? Ça fait longtemps que j'ai pas eu une sélection nationale. Ouais. Qu'est-ce que tu as l'air? Putain, ça a pas l'air tout jeune tout ça. Hein. Ah, Ryan Gold, il est là, Ryan Gold. Qu'est-ce qu'on a? McCormack, vieux. Ouais, c'est pas tout jeune tout ça, hein. Fraser. Ouais, c'est pas tout jeune. Déjà, il y a trop de gardiens, direct. Déjà trois gardiens, c'est beaucoup trop et j'ai pas assez de joueurs. Je peux même pas doubler les postes, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, c'est 31 ans, ouais. 23 ans, ça va. 25 ans, ça va. 32, bon, ça peut aller, c'est un gardien. 30 ans, bon, il est quand même super bon, donc... L'U28, ça va. L'U28, ça va aussi. L'U26, ça va aussi. 31. Devant, c'est un peu vieux quand même. Devant, c'est quand même un peu vieux. Tout ce qu'on a, c'est un peu vieux. Ouais. Faudra voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sélectionner de mieux que ça? Non, je veux pas faire le match. Je m'en fous. Bon, bah, Sélectionneur d'Écosse, est-ce qu'on fait ce match contre la Côte d'Ivoire?
Je sais pas, sur PES, c'est un amical international. Qu'est-ce qu'on a comme échéance internationale hein? Est-ce qu'on a de la qualification ou quoi que ce soit? Amico, pourquoi on a que des amicaux? Bon, ça va, on va pas être emmerdé par les matchs. On va pas être beaucoup emmerdé par les matchs. Eh bien, du coup, je vais le faire en off et on se retrouve juste après. Et on fera que... voilà, je vais pas vous faire les amicaux, ça sert à rien. Allez, je le fais en off et on se retrouve juste après pour le match contre Las Palmas. Heureux, donc on se retrouve après ce match amical international. On a gagné 2-0. Voilà, on a gagné 2-0, on a galéré en première période. Et finalement, on s'est imposé en deuxième période après un petit remaniement tactique. Parce que voilà, il manque un petit peu quelque chose dans l'équipe. D'ailleurs, sur cette compo-là, en fait, je suis passé à une composition légèrement différente, comme ceci. Tu vois? Et ça a plutôt bien marché, puisque le garçon là, Britkut, là, il m'a marqué un doublé. Il m'a marqué un doublé, qui c'est que j'ai mis? Ah ouais, je me suis remarqué que j'avais pas vraiment de milieu gauche. J'ai pas de milieu gauche parce que j'ai que deux milieux droits en fait. Comme j'ai pas beaucoup de milieux centre assez jeune, je vais peut-être être un vrai milieu gauche parce que j'en ai plusieurs. J'ai Russell, j'ai Fraser, je vais mettre Russell qui est un peu plus rapide. J'ai pas vraiment beaucoup de... Voilà. J'ai pas vraiment beaucoup de qualité, là, dans l'effectif. Je manque un peu de qualité. J'ai mes Griffith titulaires. Je l'ai pas fait bouger. Puis après, ça a plutôt bien tenu la baraque. Ça a plutôt bien marché. Les défenseurs plutôt solides. Mais après, voilà, c'était... ça s'est quand même plutôt bien passé. Même si Griffith a pas forcément été apporté énormément, même s'il a une très bonne note à l'issue du match. Voilà. Je pense que quand je referai la compo, je regarderai hein, s'il n'y a pas des joueurs un peu plus jeunes qui pourraient peut-être porter plus par la jeunesse. Ou des profils différents, peut-être. Un peu des profils différents. Allez, match contre Las Palmas. On va jouer en noir. Et on va jouer avec la compo B, puisque la compo B, c'est la compo où on gagne. Donc on va jouer avec la compo B. Alors, Bangoura, il m'a dit qu'il voulait jouer. Je vais mettre Machis. Je vais faire tourner un petit peu, parce qu'après on a le match. Non, ça s'est pas tourné. Qui c'est qui peut jouer dans l'axe là? Gauthier, tiens, Gauthier va jouer. Gauthier va jouer. Gauthier Pérez, ouais, parce que tu m'as dit, il a joué à l'international. C'est pour ça qu'il est fatigué. Je l'ai affronté d'ailleurs. Je l'ai affronté, il a tenté de me marquer un but, ce salopard. Tu vas voir, il va cirer le banc jusqu'à la fin de la saison, ce salaud. Le mec pas rancunier du tout, c'est. Ouais, t'as essayé de me mettre un but avec ta sélection, ouais, tu vas voir. Tu vas voir comment ça se passe. Non, je serai pas rancunier à ce point-là. Allez, on va partir comme ça pour ce match contre Las Palmas. Ça me semble être correct au niveau de la composition. Ça a été un match quand même pas facile hein, contre la Côte d'Ivoire. On a quand même pas mal subi, hein, mine de rien. Ils sont quand même bien costauds, les joueurs de la Côte d'Ivoire. Ils sont, limite, t'as l'impression qu'ils sont cheat, parce qu'ils sont super costauds, ils sont super rapides. Et je sentais que mes joueurs, ils avaient un peu la charrette, quand même, avec. Hein. On va dire que j'ai pas utilisé la vitesse de mes joueurs en point fort. Hein. C'est un petit peu ça le problème, tu vois. Il manque un peu des joueurs rapides dans l'Écosse. En vrai, c'est des joueurs un peu vieux, donc. Allez, il faut me faire un bon match, les enfants. Il faut récupérer des points. Il faut espérer que le Real, qui je ne sais pas s'ils ont joué. Oh, attention. Allez, Machis. Oh, le poteau. Ah, c'était pas de chance. C'était pas de chance, ça. Ça, c'était pas de chance parce que dans la combinaison, c'était quand même assez joli. J'avais bien aimé l'appel de Bangoura. L'appel de Bangoura était plutôt pas trop mal. J'avais bien aimé. Il est tombé tout seul, monsieur l'arbitre. Il est tombé tout seul. Ne déconnez pas. Oh, attention là, jolie frappe. C'était pas mal joué, ça, de la part des joueurs de Las Palmas.
Hop là. Waouh. Putain, j'avais ce problème là aussi. Contre la Côte d'Ivoire, j'avais le joueur, il lâchait tout en fait. En physique, il valait rien. C'était terrible. Je me retrouvais en face à face, pourtant, je sais pas, ils sont quand même assez costauds. Même mon milieu de terrain, tu vois, il galérait contre la Côte d'Ivoire. C'était terrible. Hein. Pourtant, j'ai un milieu quand même. Enfin, avec l'Écosse, c'est. Les joueurs qui sont au milieu, ils sont quand même bien costauds. Hein. Ils sont assez âgés et tout, ils sont bien costauds. Ils ont l'expérience. Mais j'aimerais bien jouer les. Ah, ça a été bien suivi par le défenseur là. Parce que c'était une bonne occasion. Merde. On a re-corner. On va viser par là. Non. Là c'est sorti de but, ah non, c'est encore. D'accord. On va faire venir un joueur. Pour changer un peu. Voilà, ça c'est abusé ça. Oh non, ils se sont gênés, mais. Mais les gars, quoi. Voilà, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, dis-moi, dans ce match. On a fait un poteau. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On a fait un poteau. J'ai mes deux joueurs qui se gênent alors qu'ils sont tout seuls à la réception de la tête. Allez. Et ça manque de. Ça manque de passion. Ça manque de pressing. Ouais, là, on se fait trop déborder facilement. Heureusement, ça passe à côté. Ça n'a pas toujours passé à côté. On n'est pas totalement malchanceux dans notre grosse malchance. Allez, mais non, c'est pas là. C'est pas là que j'avais demandé. Allez, ça c'est bien joué. C'est bien récupéré. Non, putain, mais perds pas le ballon, Augustin. Je te licencie si tu perds le ballon. Bah ouais, mais là j'ai personne. Augustin. Augustin, c'est ton poste là. T'as déserté ton poste, Augustin. Et là, il y a personne qui se jette sur le ballon. Oh, Augustin, me déconne pas, Augustin. Oh! Putain, il m'a fait peur avec Pack Pro, là. J'ai cru qu'il allait pas se réveiller. Oh, Augustin, mais... Mais je vais le licencier, ce garçon. Je vais le licencier. Je sais pas, comment ça se fait qu'il est pas très bon comme ça, Augustin? Est-ce qu'il y a des problèmes? Il peut jouer autre chose que ça? Il peut jouer lié? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau du contrôle? Ben non, pourtant il a 78 quoi. Sous 83 de dribble, c'est pas dégueulasse non plus, comment ça se fait qu'il est si mauvais là? Pourtant il a des stats correctes quand même! On dirait qu'il dribble comme un défenseur. Encore, je suis sûr que mes défenseurs ils dribblent mieux que ça. Oh là 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 là. C'était pas mal de la part de PR1. C'était pas trop mal. La petite équerre, on tape le poteau, on tape l'équerre. C'est pas un match qu'on va faire quelque chose de bien dedans. On va pas faire de bons résultats là. Un match comme ça, tu peux pas. C'est le dieu de FIFA qui veut pas que tu fasses un bon match. Oh mais non, Akmak Pro, t'as déconné. Je suis sûr que t'aurais pu y aller sans faire ton tacle glissé tout moche. Eh, je peux pas sélectionner d'autres joueurs. Ah putain. Allez, 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 allez. Non putain, mais vous êtes enchaîné. Augustin, faut que je le sorte. Hein. Il est tout pourri dans ce match, Augustin. Il ne m'aide en rien.
Ah mais c'est quoi? Oh putain. Il ne m'aide en rien, Augustin, il va sortir. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Qui c'est que j'ai? J'ai Nano. Ben Nano, tu vas rentrer. Gauthier dans l'axe. On va mettre Agban. Machi, c'est un petit peu fatigué, mais on va le laisser quand même. C'est classe 62e. Gros tac par derrière là, monsieur l'arbitre. Oh là là, sur le gardien, Bangoura. Allez. J'avais un joueur. Au hasard, Machis. Ouah. Putain, ils vont pas au ballon, les gars, ils vont pas au ballon. Laisse. Oh, mon... Comment tu peux perdre le ballon comme ça, quoi? C'est honteux. Oh, mais les gars, vous êtes trois sur la trajectoire, il n'y a pas un seul qui veut le mettre le pied pour... Ah, il y a trop de monde tout seul là. Heureusement qu'il a pas eu le temps de centrer parce que au centre il y avait un espèce de trou. Ah putain, mais c'est pas vrai quoi. Il n'y a rien qui réussit dans ce match. Il n'y a rien qui réussit, on va se mettre en offensif. Ah mais... Pourquoi ils ont des physiques tous de bœuf là aujourd'hui? On va faire un match nul. Quelle faute? Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Allez, monsieur. Oh là là, mais c'est qui l'imbécile qui y est pas allé là? C'est qui l'imbécile qui y est pas allé que je lui casse sa gueule? Oh, mais non, mais ça, oh, c'est pas vrai, mais les gars. Oh là 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 là. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est une équipe ultra physique, Las Palmas, parce que. Bon, mais match nul, mais là, on pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux. On a fait 2 poteaux. On a tiré une fois sur le gardien. Et là, on pouvait pas faire mieux. Le jeu, il voulait pas qu'on marque. Tant pis, est-ce qu'on a le temps d'en faire un autre match? Je ne sais pas. Conférence de presse, tu ne peux rien faire ici, t'es sûr? Allez, Chaplin, progresse un petit peu, mon petit. Remplace Jean-Kevin. Ce Jean-Kevin, il a... Il a mal au pied, apparemment. Il a mal au pied. Il n'arrive pas à marquer. Allez. Alors on a combien de points? On a 12 points du coup, non? Je ne sais plus. On va regarder vite fait combien on a de points. On a 12 points, c'est ça. Le deuxième est à 6. Donc on gagne ici, c'est fini. Enfin, de toute façon, c'est fini. Allez, on va jouer donc à domicile face au Fenerbahçe. On va jouer dans le combo B. Avec un Boga. Non, j'ai pas envie de voir Boga. J'ai pas envie de m'énerver pour rien. Pas Perez. Pourquoi c'est pas Agban de base? Navarro, Fulke, voilà l'équipe type. L'équipe type. Nano, puis-je avoir... Merde, mais il joue déjà. On va mettre Chaplin sur le banc. Boga, non, j'ai pas envie de voir Boga. On dit. Alors, c'est Cuenca qui sera là. Et à la place de Machis, on va être Prime, qui m'avait fait un bon match. Correa, on va le laisser ici. Boga, non, tu t'en vas.
Tu t'en vas, Diomandé. Perez, qui c'est qu'on met? Marquez, et ça sera très bien comme ça. Allez, de toute façon, on n'est pas obligé de faire un résultat. On s'en fout. Mais pour le principe, on va quand même essayer de gagner. Parce que... Allez. Van Persie, 34 ans. C'est pas lui. Non, je déconne. Je sais bien que c'est pas lui. J'ai dit sinon, il a vraiment mal modélisé cette année. Il se sent vraiment foutu de sa gueule. Wow, voilà, mais c'est ça du physique. Ouais, c'était pas. Ouais, non, c'est dégueulasse, c'était déjà sorti. C'était déjà sorti. Oh, ça c'était bien joué. La belle interception. Allez, mais c'est quoi cette passe? Ils abusent du physique, hein, quand même, là, non? Pourquoi moi je peux pas avoir un physique aussi costaud? Mes joueurs, ils ont pas de physique aussi costaud. Pourquoi même quand je me mets en touche de physique, eux, ils arrivent à prendre le ballon, quand même? Allez, bien joué. Bien joué. Ils ont l'air d'être venus avec des bonnes intentions. J'ai touché le ballon. Allez, Andrieu, tranquille. On va relancer rapide. De l'autre côté, voilà. Voilà, on se dépêche. On envoie la purée, on envoie la sauce. Cartabia, l'accélération de Cartabia sur le côté. Le petit espagnol. C'est un espagnol? Je sais plus. D'où tu viens, toi? Le petit argentin, pardon. Le petit argentin. Navarro, la frappe. Oh, il est magnifique! Il est magnifique, ce but! J'ai débloqué un succès, ça m'a fait un petit bruit bizarre. Oh, il est magnifique, ce but! Oh, quelle reprise de Navarro! Oh, qu'il est beau, celui-là. Ah, ça valait le coup de faire un dernier match. Ça valait le coup de faire un dernier match, bordel. Le capitaine qui nous met une espèce de patate. On était bien parti et tout. Oh là là, il est beau. Ah, franchement, belle frappe. Hein. Ah, je suis content de Navarro, tiens. Putain, vous voyez les attaquants, bordel? C'est ça qu'il faut faire. Quoi, le défenseur il y arrive et vous y arrivez pas là? C'est pas normal ça. Allez. Bon, mène 1-0 dans ce match. Allez, Akban. Ah, j'ai pas pu frapper. Oh non, qu'est-ce que tu m'as fait avec Bon? Pourquoi t'as fait ton espèce de tacle tir là? Il fallait rester debout. Attention à lui. Bien joué Cartabia. Allez, là, on est bien dans ce match. Carcela. La frappe de Carcela, dommage, c'est contré. Oh là, attention. Attention, le mauvais contrôle. On accélère, on met du rythme. C'est ça que je veux voir. Il est tombé tout seul, monsieur l'arbitre. Touche pour moi, non? Ouais, touche pour moi. C'est lui qui se l'a mis tout seul en touche. Dégueulasse. Je demande l'arbitrage vidéo. Allez. Quoi, j'ai touché quelqu'un? Bon, non, tu reviens pas à la faute si longtemps après, là. Ouais, t'abuses, monsieur l'arbitre.
C'est quoi la faute en plus? Bah mais il revient 15 ans après la faute lui. L'autre il avait déjà joué hein. Il a profité de l'avantage hein. Allez Adzili. Adzili pour la contre-attaque. Vous êtes pas assez. Vous êtes trop parti en paquet les gars. Vous êtes trop parti en paquet. Peut-être Carcela. Peut-être. Ah non, c'est Nano. Pardon, c'est Nano, excuse-moi. Je t'ai confondu. Je t'ai confondu avec le portugais. Le centre, peut-être au second poteau. Non, il y a un défenseur. Toujours un défenseur qui court. Hein. C'est terrible, ça. Oh non, vas-y. Comment il peut me faire perdre le ballon? Ça, par contre, ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Que le type, il te fasse perdre le ballon. Oh. Que le type, là, je sais pas, il est dos à toi et te fait perdre le ballon direct, quoi. Ça, c'est pas normal. Hein. Bah, non, c'est la mi-temps, mais déjà, on était bien. On était dans un bon temps fort. Et puis ce magnifique but de Navarro. Après sinon au niveau de mes défenseurs que j'ai eu en pré-contrat, j'ai pas trop à me plaindre, hein. ils sont. Mais alors ils sont pas mauvais. Ah non, c'est quoi cette. Ah oui, j'étais en train de me dire que c'était moi qui avais fait une faute, j'allais dire c'est abusé un peu, non? Il est tombé comme une vieille chaussette et c'est moi qui fais la faute. Ah, mais pourquoi tu n'y es pas allé, Adzili? Tu te fiches de moi? Je suis sûr que tu avais le moyen d'y aller. Gros pressing, les gars. Gros pressing. On est en FIFA. Vous pouvez mettre du pressing. Ça faisait longtemps que j'avais pas chopé un carton jaune, là, depuis que j'en ai eu un. Ah, mais non, mais le défenseur qui lit mieux la trajectoire, qui lit mieux le ballon que mon joueur à moi, quoi. Faut pas déconner, quoi. Putain, c'est un joueur offensif et le mec il comprend pas que je veux lui faire une passe au-dessus, quoi. Le défenseur il a tout compris, lui. Ça, c'est pas normal que ton joueur réagisse aussi lentement. Eh oui! Oh, mais Carta, bien. Ils se sont mis en offensif. En face. Tout de suite, ça se sent. Ouais, bien joué, Foulquier. Qui fait aussi un bon match. Si seulement les centres n'étaient pas aussi dégueulasses dans FIFA, putain, ça serait quand même mieux. Hein. Les centres, c'est quand même assez rare de bien les réussir. Tu fais souvent des centres qui sont facilement captés par la défense, et puis voilà, tes joueurs ils se placent mal. C'est terrible, quoi. Ah non! Oh non! Mais t'as déconné! Mais t'as déconné, Nano! Je crois que c'était Nano, mais t'as franchement déconné, là. Parce que là... T'avais vraiment mieux à faire. Bien joué, Andrieux. Très très belle sortie, d'Andrieux. Allez! Adzili! Adzili l'Israélien. Non, t'as pas le droit, Adzili. Non, mais là, ça, c'est pas normal aussi, quoi. Le mec, il peut pas se faire piquer le ballon comme ça, quoi. Bien croire, il est dans son effort et tout, mais... C'est pas logique, tu vois, qu'il se fasse piquer le ballon comme ça, quoi. Directement dans les bras du gardien. Là, on va faire des changements. Parce que là, j'ai des gens qui sont morts. Diomandé. On va faire entrer le petit jeune. Car celle-là est quand même bien crevé, donc on va le faire sortir. Non, c'est pas ça, je vais quitter. Voilà. Heureusement qu'il a pu passer avant. Non, mais putain, mais ça c'est pas normal quoi.
Ah, Zilli, quoi, ton accélération, même si t'es crevé, quoi. Ça passe à côté. Nano, il est crevé. Et on peut plus. Pourquoi c'est pas le joueur qui est là-haut, là, qui prend le ballon? D'accord. Andrieux, tu m'expliqueras qu'est-ce que tu as fait là. Alors on va prendre un but. Bien joué Andrieux. Là ils sont un petit peu en mode cheat là, les joueurs de Galatasaray. Oh la grosse faute. Monsieur l'arbitre, ça vaut un méga carton de fou ça. Le type il a remonté tout le terrain, tu sais. Il est au bout de sa vie, mais non, bah non, bah c'est pas grave. Lui, il arrive à me, lui, il arrive à me prendre mon joueur, tu vois, qui a le ballon. Ah putain. Ah salaud. J'ai tous les tacles. Allez, victoire 1-0. Mais c'était quand même un bon match. C'était quand même un bon match avec un magnifique but de Navarro. Ça a été quand même chaud sur la fin, ils se sont mis en mode cheat. Mais bon, c'était un match sympa quand même. C'était un match sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a des rapports qui sont finis. Tiens, Diego Rolland, Valère Germain. Tu vois que tu m'as trouvé des gens? Sergio Alvarez. Il est récemment arrivé. Qu'est-ce qu'il fout là? Instruction précédente. Ah. Tata. Il est en fin de contrat? Oui, c'est bien ça. Voilà. À Samoa, ce serait pas mal un petit à Samoa. Un petit à Samoa, ça serait pas mal. Et c'est qui le Ponce? On le connaît. Mori, tiens, on a déjà eu aussi Mori. On observe tout le monde. On n'est pas raciste, mais on prend tout le monde. Si on peut les prendre et les revendre après, c'est pareil. Donnarumma. Tout ça, c'est digne de mon équipe? Vainqueur. Villalva. Je le veux. 5 millions, vous, quand même. Hein. Je me souviens de notre carrière, l'avoir acheté beaucoup moins cher que ça. Si tu le dis. Allez. C'est qui les autres que tu m'as trouvé? Charlie Moussonda. On l'a testé aussi, le petit Moussonda. Il était pas terrible avant. Hein. Il manquait de physique. Il manquait de physique. C'est tout. Tu ne peux rien faire ici. Allez, ben, prochain match, ça sera contre Villarreal. Ce sera avec l'équipe B, puis on aura un match de coupe. Contre le Celta Vigo, on avait fait 0... Le Celta Vigo. On avait fait 0-0. Et du coup, c'est à rejouer, je crois. Ou c'est en deux fois, je ne sais plus. Le Real Madrid. Donc, qu'est-ce qu'on aura dans le prochain épisode? Ouais. On aura Villarreal, on aura le Celta Vigo et le Real Madrid. Je vais être obligé de jouer avec l'équipe B contre le Real. Alors que j'aurais pu faire l'inverse. Puisque je suis pas obligé de faire un résultat étant donné que j'ai gagné. Bon. On verra bien. Le Real en tout cas est premier. On est toujours troisième à 4 points de recours. Ah oui, parce qu'on a fait match nul. Ouais. On a fait match nul. Forcément. En tout cas, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour la suite de nos aventures sur FIFA 17. Allez, ciao.